Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un mini haul parce qu'on l'a demandé sur Facebook, ma page Facebook. Parce qu'en fait je voulais vous faire partager un bon plan si vous n'êtes pas trop si vous n'avez pas trop d'accessoires pour vos furets. En ce moment, donc il y a, j'en ai déjà parlé, je crois, oui, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, un magasin de déstockage qui s'appelle Nose. Donc sur Angers, moi il y en a deux. Pour ceux qui habitent à Angers, il y en a un à côté du régiment du génie, avenue René Gasnier, et l'autre, je sais plus trop, mais il est à côté du Gaumont, je crois derrière, enfin il est par là, quoi, vers Saint-Serge. Voilà, voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Nose? C'est un magasin de déstockage. Donc il récupère tous les invendus des magasins et il les vend à prix complètement cassé. Donc hier, j'ai été faire un tour. Il y avait pour les animaux, il y avait plein de laisse en espèce de corde. Hyper bien, hyper solide. Ça, c'est plutôt les laisse qu'on utilise, vous savez, pour les gros chiens en général. Il y avait des gamelles, des gamelles immenses, il y avait des grosses litières, des grosses bacs, des gros bacs à litière. Il y avait des jouets, des paniers, et je crois que c'est tout ce que j'ai vu. Oui. Alors bon, bah moi j'ai pas acheté de litière parce que j'en ai déjà, voilà, j'en ai déjà assez. J'ai pas acheté de gamelles parce que j'en ai également assez. Mais j'ai acheté des petites balles en fait de tennis comme ça. Donc j'en ai... 3, il y en a, c'était un lot de 4 et je crois que j'ai dû payer ça 2 euros, un truc comme ça. Il y en avait 4 et j'en ai donné une au chat et je crois que je vais en donner une autre d'ailleurs. Donc en fait elles sont bien ces balles parce qu'elles sont dures et c'est assez difficile pour eux de la choper. Alors ça les énerve et ça les... Alors vous voyez déjà il y en a une qui est en train de décoller. Mais bon c'est pas très grave. Moi j'achète jamais de balles en mousse ou quoi parce que bah... Ils avalent les bouts tout simplement et j'ai pas envie. Donc j'ai acheté ça. Et il y avait deux sortes de paniers. Il y en avait un, enfin il y en avait des très très grands, verts à l'intérieur. Et puis à l'extérieur c'était un gris avec des cercles. Enfin c'était super moche quoi. Et moi j'ai trouvé ceux-là. Donc j'avais un peu abandonné mon thème. J'ai complètement abandonné mon thème animal. Vu que dans le parc c'est assez difficile. Si je mets les vous savez les dodos comme ça et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu abandonné l'idée du thème. Donc j'en ai trouvé des comme ça. J'en ai pris deux, puisque... Alors moi je mets toujours des, vous savez, des chiffons, des trucs comme ça pour qu'ils se cachent dedans. Voilà, j'en ai deux. Et l'unité en panier, ça coûtait 6 euros, 5,99, un truc comme ça. Voilà, voilà, donc comme je vous l'ai dit, eh bien, Guizmo vient dire bonjour. Bonjour tout le monde. On a bien rempli le bidou, hein. On a bien rempli le bidou. Voilà voilà, donc comme j'ai dit il y avait des litières, il y avait des gamelles, des jouets, enfin il y avait plein de trucs. Donc si vous avez l'occasion foncez parce que c'est beaucoup moins cher qu'en animalerie et je trouve que le choix était quand même pas mal. Et les litières c'est exactement ce qu'il faut, c'est des grands bacs comme j'ai là, vous savez, rectangulaires comme ça, donc c'est juste génial. Voilà voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Petite annonce, je pense relancer une foire aux questions puisque on demande toujours plein de questions et les mêmes, donc je pensais peut-être lancer ça sur ma page, oula, sur ma page Facebook. Donc je pense que je vais créer un post où vous pourrez poser vos questions. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite. Et si vous avez un os, profitez-en, bye.